Bonsoir à tout le monde, je suis heureux de vous accompagner pour la prière du soir en ce samedi 15 octobre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite. Je suis inébranlable. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis dans le Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie, et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ses fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fait mis en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils, et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutons et méditons sur le psaume 116. J'aime le Seigneur, car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. L'amour me tenait déjà enchaîné. Le monde des ombres resserrait sur moi son étreinte. J'étais pris de détresse et d'angoisse. Alors j'ai crié le nom du Seigneur. Ah, Seigneur, sauve-moi la vie. Le Seigneur est bienveillant et fidèle. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Le Seigneur garde ceux qui sont simples. J'étais tombée bien bas et il m'a sauvée. Allons, je dois retrouver mon calme quand le Seigneur m'a fait du bien. Oui, tu m'as arrachée à l'amour. Seigneur, tu as séché mes larmes. Tu m'as évité de faire le pas fatal. Sur cette terre destinée aux vivants, je marcherai donc sous le regard du Seigneur. J'ai gardé la foi, même quand je répétais, me voilà en bien triste état. J'étais si bouleversée que je disais, on ne peut se fier à personne. Que puis-je rendre au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe des délivrances et je crierai le nom du Seigneur. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai en présence de tout son peuple. Le Seigneur voit avec douleur l'amour de ses fidèles.
Ah Seigneur, je suis ton serviteur. Oui, ton serviteur est né de ta servante. Tu as défait mes liens. Pour te louer, je t'offrirai un sacrifice et je proclamerai qui tu es. Ce que j'ai promis au Seigneur, je le ferai en présence de tout son peuple, dans les cours de ton temple. Dans les cours de son temple, au milieu de toi, Jérusalem. Alléluia, vive le Seigneur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre de Jérémie, chapitre 29, le premier verset et les versets 4 à 14. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, car je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Ici se termine la lecture. La seconde lecture nous vient de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 9, les versets 37 à 50. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria: Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. Je prie des disciples de le chasser, et n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène-y ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples: Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes.
Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens et craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Ici prend fin la leçon. Or une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. » La sagesse de Dieu n'est pas celle du monde. Il nous arrive souvent de juger d'après les critères des hommes. Dieu cependant nous révèle dans sa parole, quelles sont les raisons de ses choix? Dans le premier de Samuel, au chapitre 16, le verset 7, après le long défilé de ses frères, David, le plus jeune des fils de Jessé, fut choisi pour être roi. C'est pour nous dire que Dieu juge les hommes selon leur cœur, c'est-à-dire la foi, la crainte respectueuse et l'amour. Ce sont là des qualités que les hommes ne savent pas toujours discerner. Dans le monde, il faut être grand, riche ou puissant pour être respecté. Tandis que dans le monde de Dieu, le plus petit est reçu comme le Christ lui-même. Dans le monde, pour avoir le droit de faire telle ou telle chose, il faut en être reconnu capable, soit parce que l'on a fait des études poussées et adaptées, adéquates, soit parce qu'on a eu, on en a les finances, soit parce que l'on fait partie d'un groupe assez exclusif. Dans le monde de Dieu, ce n'est pas cela qui est primordial. Ce qu'il est, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Jésus rejette toute discrimination ou division humaine, toutes ces barrières que nous nous efforçons de construire. Nous voyons cela dans le choix qu'il a fait de ceux qu'il voulait avoir pour disciples et apôtres, de pauvres pêcheurs de Galilée, et même un publicain, collecteur d'impôts. Suivant la sagesse du monde, il aurait dû aller chercher des scribes et des pharisiens, ces gens qui étaient bien instruits, mais il n'en a rien fait. Les apôtres, eux, n'ont pas encore compris cette sagesse de Dieu. Ils réagissent comme les gens de la société. Jésus les corrige en les appelant à regarder plus haut, à ne pas s'arrêter à ce qui fait la valeur ou la grandeur des hommes en ce monde. Aujourd'hui, il nous invite, nous aussi, à dépasser nos jugements, nos catégories, nos barrières sociales, économiques, intellectuelles, pour regarder comme Dieu lui-même regarde tous les hommes. Mais oserons-nous accueillir tous ces petits, tous ces gens hors de notre groupe, comme de véritables frères en Dieu, comme de véritables envoyés de Dieu qui œuvrent à faire avancer son royaume. Amen.
Nous prenons ensemble le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son homme servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et par la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de Siméon, le nom de Dimitis. Maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à l'Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la rédemption de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Après chaque intention, nous disons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous sommes des pécheurs. Veuille nous pardonner et nous rendre libres en ton amour. Seigneur, exauce-nous. Conduis et garde ton peuple. Maintiens-le dans la ferveur et donne-lui la victoire sur le mal. Seigneur, exauce-nous. Restaure et renouvelle la paix et l'unité entre les chrétiens. Seigneur, exauce-nous. Dirige ceux qui n'ont pas la foi, mais la lumière de l'Évangile. Seigneur, exauce-nous. Affermis-nous et garde-nous à ton service. Mets dans nos cœurs le désir de ton royaume. Seigneur, exauce-nous. Donne à tous les hommes de partager les fruits de la terre et du travail. Accorde à tous les peuples la paix véritable et le sens de l'unité humaine. Seigneur, exauce-nous. Garde nos frères, nos proches et nos amis, que tous nous soyons comblés de ta vie. À tous les hommes qui meurent, accorde ta lumière et le repose en toi. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur, Dieu de sainteté, nous te rendons grâce de nous avoir gardés aujourd'hui dans ta miséricorde. Et nous te prions de nous protéger aussi tout au long de cette nuit. Nous nous remettons tout entier entre tes mains, que le mal n'ait aucun pouvoir sur nous. Exauce-nous par le Christ notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon de route, enflamme notre cœur, ravis notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te demandons dans ta tendresse. Amen. Dieu Tout-Puissant,
toi qui nous accordes la grâce de t'adresser d'un seul cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comme maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile, donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mountains shall be moved, and the power.